comme un bébé. J'espère que vous allez bien, mes doudous, mes petits cœurs, mes rayons de soleil. J'espère que vous me voyez bien. Connectez-vous. J'ai un petit message à passer au peuple camerounais. Un petit message à passer au peuple camerounais. Papa Eto, Papa Samuel Eto fils. Comment mes doudous? Comment mon cœur? Ça va mon cher? Ma chérie Patricia, Niki. Ah oui, le direct est un petit peu tard, mais je sais que vous serez nombreux à partager la vidéo et à liker et à commenter. C'est ma nouvelle page, Natacha de Monaco, nouvelle. Je vous invite à partager la vidéo et à commenter la vidéo aussi, hein, et à vous abonner sur la nouvelle page. Connectez-vous. Comment Marie Big Tech? Ça va mon cœur? J'avais un petit message à dire, Papa Samuel est au fils. Je vois les billets d'avion qui circulent. Regarde-moi, je suis bio. Bio 4G++. Je suis bio. Papa Samuel est au fils. Papa. Je vais t'appeler Papa Samuel est au fils parce que tu es le meilleur footballeur international du monde entier. Mettez les cœurs pour Papa Samuel est au, s'il vous plaît. Hein? Papa Samuel est au fils. Voilà le Qatar. Moi, je suis prêt à représenter le Cameroun, mon pays natal. Je vois qu'il y a les billets qui circulent là. Tu invites les influenceuses Nathalie Kwa. Je ne vois pas ce que Nathalie Kwa peut me dépasser. Je suis propriétaire en France. Je suis propriétaire dans toutes les villes, presque toutes les villes en France, les villes un peu touristiques. Monaco, je suis à Beausoleil, j'ai 3 appartements. Beausoleil, pourquoi? Parce que c'est la France. Moi, je suis française aussi. Donc, c'est la France. Monaco, pour les Français, ça ne sert à rien parce qu'on paye autant de taxes. Donc, on se base à Beausoleil ou Cap d'Agde ou ailleurs, Menton et tout ça. Il y a Cannes, Paris. Je vois que vous, la Cannes invite tous les Camerounais, les influenceurs camerounais. Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas vu mon nom. Papa Samuel est au fils. Si tu veux connaître mon nom, est-ce que tu as besoin de chercher de midi à 14h. Papa Samuel est au fils. Si tu veux quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils s'appellent Papa Samuel est au fils. Lorsqu'ils nous appellent, on ne peut pas répondre. Parce qu'on sait que ce sont des arnaqueurs. Ce sont des bandits. Donc, moi, j'ai besoin de mon ticket pour le Qatar. Moi, je te dis clair et net. Parce que sinon, moi, je veux commencer à faire les palabres avec toi dans les réseaux sociaux. C'est tout, hein. Papa Samuel est au fils, c'est pas normal que tu invites les autres, que toi tu ne m'invites pas. Je vois les noms, j'écoute les noms. Elle est Nathalie Kwa, elle est ceci, Londolo c'est bon, c'était fini, basta. Nous sommes là. Hein? Papa Samuel est au fils, moi je vais aller au Qatar pour supporter l'équipe du Cameroun. Si tu ne m'invites pas, papa, je veux pleurer pendant tout. Je vous dis que je veux pleurer pendant tout le. Toute la coupe du monde. Et les gens vont me regarder. Et j'ai mes bébés d'amour qui vont me soutenir. Hein, mes doudous? Donc, informez, partagez la vidéo. Dites à Papa Samuel et ton fils que moi, je l'attends. J'attends aussi qu'il envoie le ticket pour moi. Vous avez compris, non? J'attends. Je suis en Monaco actuellement. Demain, je m'en vais à Saint-Tropez. Parce que je ne suis pas venu donner le lard. Hein. Papa Samuel est au fils. Je ne donne pas le lait. Je sais qu'on va se voir un jour. Si tu ne m'invites pas à la Cannes, mon père, toi et moi, on va régler le problème au Cameroun. Tu as les gouverneurs. Moi, j'ai les gouverneurs. Tu as les magistrats. J'ai les magistrats. Tu as les colonels. Moi, j'ai les colonels. Tu as les généraux. Moi, j'ai les généraux. Papa Samuel est au fils. Moi, je suis personne sainte. Je suis personne bien. Je vous dis que jamais j'aurai un problème au Cameroun. Que ce soit colonel, général, jamais. Parce que je suis, toutes les personnes qui savent qui je suis une personne bien. J'ai eu les problèmes dans les réseaux sociaux avec trois filles. Je les ai mis KO. Le reste là, je ne gère pas. Je suis une influenceuse qui aime les gens. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amour vis-à-vis des gens. Donc, le reste là, je m'en fous. Comment j'allais, mon cœur, ça va?
Donc, dis à papa et ton fils que j'attends mon billet. Mon billet ici, là. Je suis à Monaco. Demain, je vais à Saint-Tropez. Je reviens après. Je m'en vais à Cannes. Je reviens après à Monaco. Je suis là, je suis en vacances. Je profite. Vous voyez, non, je profite. Donc, j'attends mon billet parce que ça serait honteux que papa Samuel et ton fils ne m'invitent pas. Je vous dis que s'ils ne m'invitent pas tous les jours que la Cannes va, quoi, pas la Cannes, la Coupe du Monde va se passer au Qatar. Je vais faire les directs de 2 heures et je vais être à poil pour que les gens ne puissent pas regarder la Cannes, puissent me regarder. Donc, dites à quoi à papa Samuel et ton fils que j'attends mon billet. Je ne parle pas beaucoup. J'attends mon billet de la Cannes ici de France, France-Qatar. Parce que si je n'ai pas mon billet France-Qatar, je vais vous dire que si je veux faire le Sagat-Sagat, je ne suis pas en train de discuter avec vous. Le billet, ça serait France-Qatar. France-Qatar veut dire que quoi? Tous les jours que les Camerounais vont jouer, je veux m'habiller en screen. J'ai refait mes fesses, j'ai refait mes seins. Je veux faire que le show. Et il n'y aura personne qui va regarder la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Ils vont tous me regarder. Donc, j'avertis encore à papa Samuel et ton fils, le milliardaire de tous les Camerounais. Tous les gens ont bouffé ton argent, soi-disant. Toi, tu ne m'as jamais donné un centime. Moi, je suis là, on me publie sur YouTube. Oh, Eve Grager, Samuel et ton fils. Oh, montée des cendres, Samuel et ton fils. Je ne t'ai jamais vu avec les yeux. Tu ne me connais pas. Et toi, tu n'es pas mon style. Je ne pas, tu es un enfant pour moi, tu es un petit frère pour moi. Moi, je te dis que si il s'agit de relations sexuelles, moi, je te pisse dans la bouche, c'est tout. Je te dis clair et net, moi, je te fais pipi dans la bouche. Tu n'es pas le genre d'homme qui m'intéresse. Mais maintenant, tu fais la distribution des billets pour le Qatar. Tu dois m'inviter. Parce que je suis une influenceuse, blogueuse du Cameroun. Parce que je suis d'origine du Cameroun. Vous n'allez pas me changer ma couleur de peau. Je suis noire. Oh, ah. Pour une fois, mon pays va me valoriser. Donc, il est hors de question que Samuel et ton fils invitent les autres personnes. Lorsqu'il a un problème, nous sommes là, on se défend, on le protège, on le défend. Hein? Nous, on n'a jamais eu les problèmes avec Nathalie Nkoua. Mais quand il y avait le problème, on était là pour soutenir Samuel et ton fils. Il est hors, je vous dis que Samuel et ton fils, ils ne m'invitent pas. S'ils ne m'invitent pas au Qatar, il va lire. Si Samuel et ton fils ne m'invite pas au Qatar, il va lire. Je vais dire, regardez mes fesses, mon cucu. Vous allez voir. Si Samuel et ton fils, toi tu fais le bruit pourquoi? Si Samuel et ton fils ne m'invite pas au Qatar, vous allez comprendre que les plus bordels de la planète, ce sont les Camerounaises. Pendant que les Camerounais vont jouer, moi je veux faire les mes directs en screen ou en cul en l'air. Il y a les stars qui filment sur YouTube, là, sur Facebook, là. Leurs fesses nues. Personne ne bloque leur page. Donc, je vous dis encore, parce que pour partager ma vidéo, pour informer à Samuel et ton fils, lui, qu'on a soutenu pendant la FECA Foot, on m'a insulté pendant la FECA Foot. Il y avait les gens qui étaient prêts. Moi, j'ai soutenu. J'ai soutenu. Hey. J'ai soutenu. Tu veux? Banane. Hein? J'ai soutenu Samuel et ton fils. J'ai soutenu Samuel et ton fils pendant sa FECA Foot. Je vois qu'il invite les Nathalie Nkoua. Nathalie Nkoua, elle me vaut quoi? Quand on parle des femmes, Nathalie Nkoua voit quoi dans mon carreau? Merci chérie. Nathalie Nkoua voit quoi? Quand on parle de vrai, maman l'appartement, maman les appartements, maman les propriétaires ici en France. Nathalie Nkoua, pourquoi même en Europe, au Cameroun, je suis propriétaire. Tu invites Nathalie Nkoua parce que tu veux lécher sa chatte, tu veux lécher son vagin. Au lieu que tu avais maman Georgette, tu racontes aux gens que tu avais maman Georgette. Oui, Naweti, tu avais maman Georgette. C'est quoi ça que tu invites ton ex et tu ne nous invites pas, nous les influenceurs qui se sont cassés pour nous, pour toi? Papa l'influenceur, papa Samuel et ton fils, papa l'influenceur, tu invites Nathalie Nkoua, tu ne nous invites pas, tu crois qu'on va être content? Je te dis que ma copine laisse. Papa, moi j'ai les colonels chez moi au Cameroun, j'ai les généraux, j'ai les gouverneurs. Donne-moi les histoires que vous dites souvent que vous menacez les gens, vous allez les enfermer. Ce n'est même pas possible parce que moi, tout le monde sait que moi, j'ai un bon cœur. Moi, je suis une fille gentille. Je suis une fille qui a le... Même si je m'énerve, je peux m'énerver comme tout le monde. Mais ma colère ne dure pas.
Donc, papa Samuel est ton fils. Je te répète encore, papa Samuel est ton fils. Moi, voilà, je m'en vais. Si tu ne, je ne reçois pas mon billet, mon ticket par email, tu connais mon... Je pense que si tu veux mon ticket, tu vas avoir. Parce que nous, on ne peut pas t'avoir au téléphone parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent qui s'appellent Samuel et ton fils. Ce n'est pas normal que tu avais ton ex-femme. On sait que ta femme actuelle, c'est Maman Georgette. Tu invites Nathalie quoi? Et nous, on va te sourire. Nous, on se casse pour, ton, pour toi. On fait les directs pour toi. Les gens nous insultent, nous chient dessus, nous pissent dessus. Et toi, tu ne nous invites pas. Papa Samuel et ton fils, tu crois qu'on va rigoler? J'attends mon ticket. Parce que si je n'ai pas mon ticket, je veux croubler la canne. Pas la canne, la coupe du monde, là, du Qatar. Je veux croubler ça. Parce que moi, je veux être sexy. J'ai déjà les spas, les jacuzzi, les saunas, même si c'est l'hiver. Je peux être à poil. Si je suis à poil, les gens vont me regarder au lieu de regarder la Coupe du Monde lorsque les Camerounais vont jouer. Donc, je te dis encore, papa Samuel et ton fils, si tu ne veux pas les problèmes avec moi, invite-moi. C'est le message que je voulais te dire. Invite-moi, parce que si tu ne m'invites pas, je vais te montrer que je suis la plus grande bordel internationale du monde entier. Même les Qataris ne m'atteignent pas en ma cheville. Tu as compris, non? Parce que vous êtes comme ça. Hein, quand tu avais les problèmes avec Nathalie Kouah, tu aimais bien qu'on te défende. Tu allais publier Nathalie Kouah. Maintenant, on t'a soutenu. Maintenant, aujourd'hui, tu invites Nathalie Kouah. Tu vas nous montrer que nous sommes les caca pourris. Maman, c'est même pas la peine. Mieux, je m'en vais avec mon dada. Je m'en vais dans mes taclements avec mon dada. Moi, au moins, je suis tranquille. Au moins, mon dada, lui, il va me permettre d'avoir mon appartement dans le 8e. Mais papa Samuel est ton fils. Papa Samuel est ton fils. Attends, dada. Laisse. Papa Samuel est ton fils. Si je n'avais pas mon billet de train, mon billet d'avion, au Sombok, ça va te coûter moins cher. Mon billet d'avion pour le Qatar. Tu vas lire l'heure. Je vais te montrer que je suis l'international. Parce que vous êtes comme ça. On vous soutient lorsque vous avez les problèmes. Nathalie quoi? Les gens ont dit que ce n'est pas bien ce que tu, elle a fait parce que tu étais le meilleur footballeur international, le plus connu dans le monde entier. On t'a soutenu. Et nous autres, je n'ai même pas le ticket. Papa, invite-moi, hein, je t'attends. Bon, mes copines, je vous dis à tout à l'heure. Je vous embrasse, gros bisous, mes amours. Informez, partagez la vidéo, informez à Samuel et ton fils que Natacha de Monaco n'est pas contente. Et je ferai un direct pour ça, en plein jour. Bisous.